Sanofi. La géologie, à la recherche médicale, passant par le Tessie, en écrivant des bouquins. Oui, c'est sans doute que je suis atteint d'une instabilité très importante et qui fait que je passe du coca là un peu trop entier des fois. Voilà. Non, c'est Marc qui me disait tout à l'heure, moi je ne pourrais pas écrire un bouquin. Si, rien de plus simple. Il suffit d'avoir une idée. Et quand j'enseigne la cancérologie à la faculté de médecine, dans deux temps. Et sur la création de start-up, je trouve souvent des jeunes qui me disent ouais, mais on n'a pas d'idée, quoi. Sur quoi on pourrait se lancer? Ben, c'est pas compliqué, je leur dis toujours la même chose. Vous cherchez une idée, trouvez un problème. Lorsque vous avez trouvé le problème, vous essayerez de tourner autour de l'histoire. Voilà. Et là, ben, c'est la même chose. Hein. Si tu veux, j'aimerais vous y amener. Lorsque j'amène des gens voir les bagnes d'enfants. Ça, c'est un truc que j'ai découvert par hasard. Je connaissais un peu Marie Rouanet, parce que je l'avais suivie dans ses conférences, elle aussi. Et c'est en lisant ses bouquins que je me suis aperçu qu'elle parlait de choses qui avaient lieu ici. Oui. Ici, dans l'Hérault, dans le Gard. J'habite à Saint-Génie, Vaillocas, c'est juste à côté. Je savais pas qu'il y avait cette horreur qui était juste à côté. Voilà. Et donc voilà, ça fait un chapitre. Et petit à petit, comme ça, tu trouves des idées. Voilà. Dans le dernier bouquin, j'évoque un truc, j'évoque le cas d'Erki. Dans Cachepar, dans de justice sociale. Dans le dernier. Je parle d'Erki. Parce que je trouve que ces gens-là, on s'est mal conduit vis-à-vis d'eux. On s'est mal conduit vis-à-vis des Espagnols qui ont fait la retirade. Voilà. Donc, je ne savais pas comment aborder le sujet. Il y avait un article de Millilivre qui indiquait qu'à côté de Bagnols-sur-Cèze, il y avait un camp d'Arki. Et récemment, on a trouvé un cimetière d'enfants. L'article du Millilivre, il m'a incité à aller voir un peu plus loin. Et dans ce camp d'Arki, il y a eu une épidémie de, je sais plus, de rougeole. Et les enfants ont été piqués à leurs parents et enterrés à même la terre dans des conditions abominables.